les organisations. La proposition été, ou plutôt avait été examinée. Donc, cette bien sûr, avoir un téléphonique à Bakar, donc, va nous parler un peu plus de cette. De cette septième session de la conférence de G5 et va donner un peu plus d'explications. Effectivement, N'Djamena Brice. Donc, Ashta. C'était la septième session ordinaire de la conférence. Bonjour, Ashta. Du G5 Sahel. Les chefs d'État. Je présente. Bon à savoir. Sahel. Ashta, est-ce que. Justement, je dois vous rappeler ça se trouve actuellement en ligne à l'intérêt international. Bien sûr, la question va porter sur les détails et les participants, dont, les participants de cette septième session de la conférence de G5. Donc, Ashta, bonjour. Effectivement. Effectivement, une journée du 15 au 16 février, la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Les 5 chefs d'État des pays Sahel ont tous en la part du G5 Sahel comprend l'avenir, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Tchad. D'autres chefs d'État et de gouvernement ont pris part à des sommets. Il s'agit du président du Sénégal Macky Sall, du Ghanaien Nana Akufo-Addo, du Premier ministre marocain Saïd Eddine El Outmani, du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, aussi des présidents de grandes institutions, à savoir l'ONU, CEDEAO, l'IA, l'OIF. Bon, donc, encore une fois, c'est vrai qu'il y a un problème ici à l'intérieur du studio, mais juste de nous donner un peu plus d'explications sur, bien sûr, les questions. Quelles sont les questions qui ont été proposées? Quelles sont les questions de cette septième session de la conférence de G5? Chef aussi pour la promotion de la culture de la paix dénommée Prix du Sahel. Ce prix sera décerné aux individus, institutions, organismes publics ou privés ou de la société civile ayant le mieux œuvré pour la prévention et la résolution des conflits pour la culture de la paix et de la tolérance entre les communautés dans l'espace Sahel. C'est une initiative du président sortant du G5 Sahel, Mohamed Ould El Ghazouani. Le Conseil des ministres et le secrétariat exécutif vont travailler sur la mise en place des mécanismes de ce prix. Oui. Encore une fois, Ashta, pour avoir plus d'explications, quels sont les rôles des partenaires dans ce sommet sur les questions stratégiques et prioritaires? Il y avait bien sûr même un prix promotion de la paix. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails. Au cours de ce les chefs de nation Sahel, ils ont du maire des cités plus tard la protection des prix du lié les mondes crises sanitaires lors de ce saut du G5 Sahel un an à tête du G5 Sahel le président
Ahmed cette année. Le et du développement. Mais non, résultat de la coopération au terrorisme, l'envoyé des sommets opérateurs avaient empêché leur déploiement. Ouais. Encore, il y a un prix pour la promotion de la que vous pouvez. Lors du précédent sommet de Pau, nous avons composé 1000 la frontière Mali-Burkina-Niger permettra de compléter le dispositif pour l'aider aux djihadistes, selon le président Emmanuel Macron, au cours d'une conférence de presse ce 16 février, à l'issue du sommet de l'Alliance pour le Sahel, en marge des travaux de la 7e session de la conférence de l'État et du G5 Sahel. Ouais, encore une fois, j'aimerais bien avoir des explications en ce qui concerne des prix qui ont été proposés pour la promotion de la paix au niveau du G5 du Sahel. Oui. Mais il s'avère qu'on a perdu le contact. Mais en tout cas, nous devons donc passer. Avant ça, merci à Ashta Bakar, la journaliste tchadienne, pour nous avoir donné un peu plus d'explications sur ce qui concerne cette conférence qui s'est tenue, bien sûr, à partir de lundi. Dans la capitale tchadienne, N'Djamena. De retour donc un reportage sur les relations diplomatiques, économiques et commerciales entre l'Égypte et le Burkina Faso, avec bien sûr les explications qui vont être proposées au cours de ce reportage. Le ministre des Affaires étrangères a reçu un appel téléphonique de son homologue Alpha respectifs pays ainsi que des questions régionales et continentales d'intérêt mutuel. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que le chef de la diplomatie, Samah Choukri, avait félicité son homologue burkinabé pour son élection en tant que député et son maintien au poste ministériel qu'il occupait depuis l'arrivée au pouvoir du président Kaboré. Il a également affirmé la volonté de l'Égypte de soutenir la coopération avec la partie burkinabé dans tous les domaines tels que la sécurité, la santé, l'agriculture et l'énergie. Monsieur Hafez a ajouté que les deux ministres ont échangé des vues sur les derniers développements au niveau du continent africain, car ils ont souligné l'importance de la coordination et des consultations continues entre eux au cours de la prochaine étape. Donc très très rapidement, l'Égypte compte passer à la vitesse supérieure pour vacciner sa population. La ministre de la Santé, Hala Zayed, a annoncé que le pays avait conclu des accords avec les laboratoires pour l'acquisition de 100 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 durant 2021. Toujours les explications avec Marwa Arafachi Boussela. L'Égypte compte passer à la vitesse supérieure pour vacciner sa population. La ministre de la Santé, Dr. Hala Zayed, a annoncé que le pays a conclu des accords avec les laboratoires pour l'acquisition de 100 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 durant 2021. Il s'agit de la plus forte commande de vaccins anti-Covid-19 effectuée par un pays africain. Avec ces commandes, l'Égypte compte vacciner un peu plus de 50 millions de ses citoyens. En ne tenant pas compte des personnes de moins de 18 ans, cela permettra de vacciner autour de 70% de la population ciblée par la campagne de vaccination. Toutefois,
Il s'agit surtout d'un démarrage symbolique en ce sens que le pays n'a reçu jusqu'à présent que 100 000 doses, dont 50 000 doses du chinois Sinopharm, offertes par les Émirats arabes unis, et 50 000 doses du vaccin AstraZeneca. L'Égypte a donc commandé 20 millions de doses aux entreprises Serum Institute of India et R Pharma, un laboratoire russe, qui ont signé des contrats pour la production et l'exportation du vaccin vers des dizaines de pays. Donc très rapidement, 3 mois après que l'administration Trump ait lui a barré la route, l'ancienne ministre nigérienne des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala, a obtenu le soutien qui lui permet de devenir non seulement la première femme, mais aussi la première représentante du continent africain à diriger l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Donc, encore une fois, félicitations à Ngozi Okonjo-Iweala. Les explications tout de suite avec notre collègue Chif Bossé en compagnie de Marwa Arafa. Après que l'administration a barré la route, l'ancien a obtenu le soutien qui lui permet de devenir non seulement une femme, mais aussi la première représentante du aura du pain arrivée internationale. Répondre à Coriane Mutiel et gérer au terrorisme alors qu'elle doit répondre aux droits de propriété intellectuelle et essentielle dans la lutte contre le coronavirus. Les subventions à la paix devraient être dans l'échéance de fin d'année. Sujet de discussion aujourd'hui, il s'agit de la des chefs d'État de G5 qui, à partir de lundi, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne l'importance égyptienne. Il y a beaucoup d'importants partenaires très importants. L'Égypte et nous avons en nation beaucoup dans la donc comment vous avez fait cette participation égyptienne à la conférence de avec ça, sont des gains malheureusement pas plus de temps ou un plus. Et maintenant, on a avec l'administration de reconstruire ces liens. Et c'est pour la mission en plus du problème, au signe du problème. Pour ceux qui ne sont pas très à la, cette partie de la. Et
oui, ils sont des juridiques, ils sont définis physiquement. Dans la vraie vie, il n'y a pas de frontières. Donc, il y a tout cet endroit qui est le Sahel, c'est une énorme partie du désert qui est ouvert, lié, et ça s'appartient au pays. C'est énorme. Et les pays dans cet endroit ne sont pas assez riches pour couvrir et surveiller cette partie de l'Afrique. Et quoi que malheureusement, ça devient pour toute activité touriste. De là, les pays totalement des terroristes de notre principe pour les pays terroristes. Montre la façon à gérer les choses. Et pour moi, quand j'ai vécu dans les années qui fait partie de ça, j'ai vécu les activités qui avaient ce qui a été le cas dans le nord de l'Afrique. C'était oui. Très cool. Intéressé dans le truc de terrorisme, le groupe de Mokhtar Belmokhtar. De vie sud. Puis il prend le 4-4 où la police et les militaires avaient le droit de pratiquer. Ils se perdent l'année dans le désert. C'est le droit de les surveiller physiquement. Donc, on a besoin de utiliser beaucoup de technologies, beaucoup de satellites, d'alliances avec tous les pays qui sont là, parce que vraiment, la plupart, disons, 10% des terroristes dans notre région, ça vient de là et nous sommes là. Sur les pays du nord d'Afrique, on regarde les pays du nord d'Afrique parce que, comme vous venez de dire, de nous souligner, ce sont des camps qui sont derrière les pays du nord d'Afrique. Mais en même temps, l'Égypte est tout à fait contre le terrorisme à l'extrémisme, c'est la pauvreté. C'est le de l'espoir. Et moi, si on regarde le je parle de la population. La population est victime de la pauvreté. Et c'est la raison qui pousse à l'extrémisme. Comme vous venez de souligner, ce sont des terroristes qui ont cette attractivité à travers les moyens financiers. Absolument. Écoutez. Il y a plusieurs fois entre la pauvreté et l'extrémité. Peu importe oui. L'idée qui a été portée très souvent. Écoute, tu n'as pas
Mais la vérité des choses, que les deux sources pour éliminer le terrorisme, aller où l'Égypte est en train, avec cette administration, en train de travailler avec une cadence mais à travers le développement, les moyens de développement, les moyens de coopération, c'est la création aux jeunes. Tous les leaders, ils sont infixables, si vous voulez. C'est un peu ça, c'est selon la solution de sécurité. Pour le futur, pour la base, pour la population. Je voulais...